retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, Diamond Painting, comme vous avez vu dans le titre. Aujourd'hui, eh ben ça y est, on termine la femme tigre. J'en suis au dernier carré. Donc là, voilà, ça y est, ce que vous allez voir après, ben, ça y est, je l'ai terminé. Ouf. Bon, le tableau était petit. Mais c'est vrai que j'ai été un peu longue à le faire quand même. Bon, des obligations à la maison, etc. Des choses à faire. Vous avez vu, je suis aussi en train de faire une commode. Donc, qui me prend pas mal de temps. Ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. D'habitude, je l'aurais fait en moins de temps. Alors, sinon, que dire? Pas de gros problèmes, comme j'avais déjà dit au début quand j'ai démarré le kit, la toile était impeccable, pas de problème de colle. Par contre, j'ai eu un souci arrivé sur la dernière partie. Vous rappelez, il y avait une feuille transparente hein, pour protéger le tableau. Et je ne sais pas comment ça se fait, mais bon, moi, en fait, comme c'est une feuille transparente, je la remettais à chaque fois, hein, obligée. Mais arrivé à sa dernière partie, le papier se collait, mais alors une puissance sur la colle. J'ai même eu peur d'arracher le kit. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive avec un plastique transparent comme ça. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais là, depuis que j'étais arrivée donc à cette dernière partie en bas, à chaque fois, le papier transparent restait collé très très fort sur le kit. Et donc, je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ai réussi à chaque fois à le décoller tout doucement, avec patience. Parce que là, il en a fallu, parce que ça me prenait du temps pour le redécoller. Et je vous dis, là c'est la première fois que ça m'arrive, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Bon, heureusement, je n'ai pas fait de dégâts, j'ai rien arraché. La colle a quand même continué à coller. Peut-être un peu moins. Puisque du coup, je pense que la colle s'est attachée quand même au plastique transparent. Mais bon. J'ai réussi à finir le kit et les perles tiennent bien sur le kit, elles collent bien, donc ça va. Mais bon, j'ai eu ce problème, pourquoi, je sais pas. Sinon, bon, dans les perles, pas de gros problèmes. Bon, j'ai retrouvé un petit peu de poussière, ou des petits déchets, pas des poussières, mais enfin des petits déchets de perles dans certains sachets, rien de grave. Mais bon, il y avait quand même quelques petits déchets. Et j'ai pu... D'ailleurs, on avait fait la remarque sur une précédente vidéo hein, sur ce kit. C'est vrai que j'en avais pas encore parlé. J'avais des perles qui n'étaient pas taillées tout à fait pareilles. Donc, un peu de mal des fois à les mettre. Où on voit un léger décalage. Bon, il faut avoir le nez dessus. C'est vrai qu'une fois qu'il sera encadré et mis au mur, c'est fini, on ne verra plus rien. Hein. Mais quand on a le nez dessus, on voit par un moment qu'il y a des petits décalages entre les perles. C'est vraiment des micro-millimètres, on va dire, qui manquent à certaines perles ou qui sont trop sur certaines. Mais voilà, donc j'ai eu quelques petits décalages. Et d'ailleurs, bon, après c'est vrai que ça se voit un peu quand je mets les perles. Des fois on voit que j'essaye d'appuyer un peu plus fort pour pouvoir rentrer la perle quand c'est une perle qui est déjà entourée d'autres perles qui sont déjà mises. On voit par moments que j'avais du mal à les mettre. Et c'est vrai que ça, je ne vous en avais pas parlé encore. Bon, c'est vrai que je n'y avais pas tellement pensé. C'est quand on m'en a fait la remarque, la personne l'a vu dans ma vidéo. Et donc voilà. Bon, ce n'est pas des énormes soucis. Mais bon, voilà.
Sinon, le kit est en lui-même est super beau, hein. Là, il est. Vous verrez à la fin, je vous fais une vidéo où je vous montre en détail le kit terminé. Sinon, bon, il est beau, il est. Maintenant, je verrai une fois. Voilà, de toute façon, une fois qu'il sera encadré, il sera toujours beau. Mais bon, comme vous savez, pour l'instant, j'encadre pas. J'ai pas encore été chercher de cadre, ni à Action, ni à Leroy Merlin. J'ai pas encore été dans ces magasins-là. Donc bon, j'ai le temps. Il n'y a rien d'urgent. Donc voilà. Mais il est terminé. Voilà, fini, terminé. Angers, il est mis en place. Pardon. J'ai fait aussi le rangement des perles, mais ça vous le verrez sur une vidéo, la vidéo suivante, où je fais le rangement des perles pour ce kit-là et je prépare les perles du nouveau kit. Mais ça, c'est une prochaine vidéo, donc que vous aurez juste après. Donc maintenant, je vais vous laisser visionner. Comme d'habitude, je vais vous remettre tous les liens d'information pour ce kit et de la boutique Kefan. Pardon, j'allais dire une autre boutique. La boutique Kefan, donc je vous remets le lien en barre d'infos. Je vous remets également le lien pour le kit si jamais il vous intéresse. Et là, je vous laisse visionner maintenant. Voilà, ça y est, je suis coincée. Et on va se retrouver très rapidement donc pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous souhaite un très bon visionnage et moi je vous dis à très bientôt. Gros bisous, 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 à bientôt. Thank you.
Thank you.